Tout à fait. C'est vrai que j'ai voulu faire un petit clin d'œil d'entrée, parce que on s'est rendu compte dans la constitution de l'Assemblée qu'il y avait très peu de femmes. Donc on va déjà essayer d'œuvrer sur ce sujet-là, mais ça ne va pas être facile. Je ne m'attends pas à ce qu'on y arrive du jour au lendemain. On va rencontrer certainement quelques écueils, mais là, on va tout faire pour. Le football féminin évolue beaucoup. Donc moi, je jouais au football donc, il y a quelques années, on va dire que c'est pas si loin. Et c'est vrai que les championnats étaient très peu structurés. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu une réelle évolution. Il y a eu un gros travail de fait, tant au niveau des régions qu'au niveau fédéral. Il y a une ouverture d'esprit, je pense aussi, et peut-être aussi une réelle volonté aujourd'hui de développer... De développer le football féminin, qui n'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 20 ans encore, il y a 20 ans que c'était hier. Je pense que notre véritable levier avant tout reste les forces vives qui sont en place. Et donc à travers de ce que j'ai pu constater déjà en Alsace, mais les renseignements que j'ai pu avoir sur les autres territoires, il y a vraiment du travail de fond qui est fait et qui va nous servir encore parce qu'il y a encore une grande marche à franchir. Merci José. Merci. Parfait.